Ville de Tours, ça doit sacrément aimer le vélo par ici, hein. D'ailleurs, ils ont fait cette route en 15 jours exprès pour le Tour de France, hein. Ils ont forcément pensé à mettre une piste cyclable, vu que ça a été refait pour les vélos. Ah ben non. Non, je crois qu'il n'y a pas une seule trace de piste cyclable, même pas un petit vélo dessiné. Bon, allez, c'est pas grave, hein. On continue. Ah, ça y est, j'ai trouvé les petits vélos verts, là, hein. Alors c'est parti, bah, finalement, on roule, hein, sur les pavés. C'est pas bien grave. Accélérateur, effectivement, c'est pavé, hein. T'es pas loin. Ah. Tiens, ils font passer par les rues piétonnes. Ouais, pourquoi pas, mais quand même, David, ça va pas être du goût des piétons. Je suis pas sûr que les gens, ils aient vraiment l'habitude de cohabiter avec les vélos. On va y aller doucement, hein. Hop là, pardon, les jeunes. Tring, tring, on continue. On remonte là-haut, allez, on part par un petit coup de rein, hein. C'est parti. Ah, bah là, au moins, je risque pas de me faire renverser. J'ai la police avec moi, hein. Ouais, bon, ils bloquent un peu le passage, mais je suppose que ces messieurs font leur métier. On va y aller, là, j'ai vu un créneau. Oui, si, non, c'est pas... Ouais, pardon, là, c'est le petit truc vert, c'est pas... Excusez-moi, monsieur l'agent. Et voilà, j'ai retrouvé mes petits vélos verts. Eh ben, on continue, alors, on continue à monter. Objectif, prochain objectif, en tout cas, passer devant les halles. Tranquillement, devant les halles. Ah, ils font prendre le sens interdit. C'est aussi les piétons, c'est encore des pavés. Ouais, ah, là, ça bouge un peu, ça vibre, ouais. Limoges, ville de Tours, ouais. Limoges, ville de Trou, ouais. C'est surtout ça. Ah, on continue, ça doit être les carrés bleus, là. Putain, non, je sais pas, bon, c'est plus dessiné, mais c'est pas grave, c'est encore à moi. J'ai vérifié sur le plan. Ah, tiens, la première rue en sens unique. Bon, c'est pas grave, hein. A priori, c'est vachement plus sécure, c'est ce qui se dit. On remonte donc en haut, on se fait pas chier. Là, c'est bâtard, merde, c'est la fin de la piste cyclable. Ah, ouais, mais attends, il y a des inscriptions vertes. Ça veut dire que les vélos, ils doivent passer. Non, ils sont sérieux par le passage piéton? Ok, excusez-moi, je passe par là, hein, c'est d'accord. Bon, bah, on monte sur la place, alors carrément, bah, passage sur la place, hein, tant qu'on y est. Heureusement qu'il n'y a pas foule à Limoges et qu'on n'est pas emmerdé par les piétons. Alors, on continue face à cette magnifique place. Alors, déjà que c'est interdit au skateboard, je comprends même pas qu'on ait le droit de faire passer les... Ben non, si, c'est les vélos. Trottoir 1, trottoir 2. Ok, on s'arrête, trottoir 3, d'accord, on continue, on passe devant le tribunal, tout ça pour passer derrière, ah oui, derrière l'abribus, d'accord. Là, mais aussi, David, les gens n'ont pas trop l'habitude, on se prépare, ouais, un sacré virage à 90 degrés pour prendre également la rue en contresens, hein. Oui, effectivement, même les vélos préfèrent pousser ici, c'est dangereux, les pistes, là-bas, c'est pas tout ça. Ah, je crois que la rue, elle est un peu étroite, là, pour qu'on se croise. Ah, c'était peut-être pas si malin que ça de la foutre ici, la piste cyclable. Attends, on va passer, ben, un pied à terre, un pied sur le trottoir. On pousse. Ouais, ça passe, mais c'est quand même pas top. Allez, on continue. Ah, ben, ouais, ok. Le trottoir est étroit aussi, et la petite dame, là, excusez-moi, dring, dring, ouais, ben, ouais, excusez-moi, la petite dame, hein. Faut que je passe. Alors, je continue ma piste cyclable, c'est parti, coup d'accélérateur. Et non, là, non, ils sont sérieux, là? La piste, elle passe sur le trottoir? Ok, ben, on va prier, surtout qu'aucune portière ne s'ouvre et que je me fasse pas exploser la gueule. Ah, non. Là, ils ont carrément posé une benne à verre sur ma piste cyclable. Ok, et du coup, on arrive quoi? Ah, au stop où tout le monde regarde qu'à gauche parce que forcément, c'est un sens unique. Ouais, bon.